Donc on va faire avec ce 6, 7. On considère que géodique défini sur le même intervalle. Okay. Et je vais exposer qu'il existe un x. Donc i, c'est le gamma 1 de x est égal à gamma 1. De x est gamma 1 prime de x est égal à gamma 2 prime de x. Et ce que je voudrais, c'est montrer que cette relation est vraie partout sauf i. Donc je vais regarder j, qui est le sort de x, tel que, donc on va dire y, tel que gamma 1 y est égal à gamma 2 y, et que j'ai également gamma 1 prime y est égal à gamma 2 prime y. Et ceci, je voudrais montrer qu'il est à la fois ouvert et fermé dans j. Donc fermé, c'est automatique. Puisque i est connexe, c'est l'intervalle de R, j est à la fois, si j est à la fois fermé et ouvert, c'est nécessairement, et qu'il n'est pas vide, puisque j'ai exposé que x est dans j, il va être tout l'intervalle j. Donc reste à voir que j est ouvert. Donc il suffirait de montrer que si j'ai un point x qui est dans j, donc x qui satisfait ces conditions-là, alors ça reste vrai sur une intervalle autour de x. Donc, c'est-à-dire que si x satisfait 3, alors gamma 1 est égal à gamma 2 sur une longueur de j, pardon, contenant. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire ce que ça veut dire d'être un géodésique et on va voir que ça revient à satisfaire une certaine équation différentielle et que cette équation différentielle permettra ça de degré 2 et donc Cauchy-Lipschitz nous dira qu'il existe une unique solution localement avec équation donnée. Ok, donc maintenant je vais regarder quand je dis gamma est une physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connexion de Debye-Civita dans la direction de gamma côté réactive par le champ de vecteur défini le long de la courbe gamma côté est égal à 0. Ok? Donc, dans un voisinage de x, il existe des coordonnées locaux locales. Donc on a U et V et j'ai une carte des coordonnées qui prend U et V qui vivent dans un certain ouvert dans un vecteur et qui l'envoie sur D qui est un ouvert. Donc S et qui contient le point X. Et je peux pouvoir écrire gamma T s'écrit dans un ouvert autour de X, mais j'ai juste besoin de travailler dans un voisinage autour de X. Donc ça, c'est proche X. J'ai cette égalité-là. Phi de P de T, de sorte que gamma prime T et U prime T fait par DU, plus U prime T fait par DV, et je propose de réécrire ça en termes des vecteurs poussés en avant par phi de E1 et E2. Donc ça c'est U prime de T df E1 plus V prime de T df E2.
maintenant, je vais calculer la connexion de la utilité appliquée à ceci. Donc, j'ai gamma prime de t de u prime t df e1. Donc là, j'ai déjà gamma prime de t u prime de t, puisque c'est une connexion multipliée par df e1 plus u prime de t gamma prime de t df e1. Donc là, je prends la fonction, excuse-moi, ça devrait être un dérivé dans la direction de gamma prime de t. J'ai la fonction u prime de t et je dérive dans la direction de gamma prime de t qui est exactement la direction t augmentant. Donc ça, c'est redérivation par rapport à t. Donc là, j'ai u gamma prime de t df de 1 plus ici, je vais avoir u prime de t. Ici, je vais avoir une appel de u prime t df de 1 plus u prime v prime t df de 2 et le tout appliqué à df e1. Donc là, je vais réécrire tout ça, u prime t df e1 plus u prime de t au carré multiplié par gamma de 1 df par e1 plus gamma 1 2 df e2 plus ensuite b prime de t u prime de t multiplié par gamma cette fois-ci de 1 df de 1 plus gamma de 1 de df e2. Le même calcul, je vais avoir que cette partie-là, delta prime de v prime t df e2 est égal à v double prime t df e2 plus v prime t u prime t multiplié par donc gamma 1 2 df par t e 1 plus gamma 2 en 2 df e 2 plus v prime t au carré gamma 1 plus gamma 2 df e2. Et donc, si je veux que la somme de ces deux choses doit être égale à 1, en regroupant, elle doit être égale à 0, en regroupant, j'obtiens que je dois avoir u prime de t qui doit être égale à, donc ça c'est la tête, gamma moins gamma 1 e prime, u prime t au carré plus gamma 1 de 1 b prime t u prime t plus gamma 1 1 de b prime t u prime t plus gamma 1 de 2 u prime t au carré. Ensuite, et on va aussi v double prime de t qui est exactement moins exactement la même chose avec les deux parties ici. Donc, 1 prime t au carré plus
ça donne 1 V'. U' plus Christopher 1, 2. U' plus 2, 2, 2. V' au carré. Okay. Et maintenant, puisqu'on est localement, puisqu'on sait que pour un géodésique, U', V' reste constante, je suis dans la situation de pouvoir appliquer Cauchy-Lipschitz. Donc, il existe une unique solution locale à U et V donnés. Ok, donc à U, donc gamma 1 x et gamma 1 prime x qui sont donnés. Donc, localement autour de x, gamma 1 et gamma 2 doivent être les mêmes. Donc, l'ensemble des points où ils sont les mêmes est ouvert, et donc c'est tout J parce qu'on a déjà montré que ça s'y enferme. Ensuite, donc maintenant, si j'ai une gamma, une géodésique sur S2, je vais prendre le gamma qui va être I sur S2, je vais prendre X sur gamma et puis je vais prendre P qui est égal à gamma de X et je note qu'il existe un grand cercle hein, C passant par P et dans C et deuxièmement l'espace tangent au point P et C est égal à gamma P de X. Donc C et gamma sont des géodésiques. Ce sont des géodésiques et ce sont des géodésiques qui ont un point qui s'écoule et en ce point ils ont la même vecteur vitesse. Donc C est une image. Les gamma, et c'est ce qu'il fallait montrer.